très heureux de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiam et le Feu au Quintet, avec au programme trois rubriques: feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix Roger Ledoyen à Lisieux, 16 compétiteurs de 6 à 10 ans répartis sur deux échelons de départ vont batailler sur la distance de 2725 mètres. Feu rouge, je freine avec le 13 Funky d'Albe. Il a bien tenu sa partie récemment au Croisé-la-Roche, mais au 25 mètres, face aux 6 et 7 ans, sa tâche s'annonce très difficile. Feu orange, je ralentis avec le 9 Eradames. Il a joué de malchance lors de sa rentrée à Vincennes où il s'est montré fautif après avoir tapé dans la roue d'Harmonista qui le précédait. David Thomin peut nourrir des regrets car son partenaire avait beaucoup de ressources long de la corde. De retour corde à droite où il affiche pieds nus 100% de réussite dans les trois, il est en mesure de briser le signe indien. Feu vert, j'accélère avec le 15 Invictus Madiba. Laissé au repos pendant 4 mois, il n'a pas tardé à retrouver la bonne carburation. Le 4 mars à Caen, il s'est montré très pugnace pour s'emparer au forceps de la deuxième place. Dur à l'effort, il n'a besoin de personne pour faire le dernier kilomètre sur un drôle de pied. Au papier, c'est sans doute la base la plus solide pour monter sur le podium. La victoire est même envisageable si son principal adversaire Hoche est dans un jour sans. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus combiné flexi 25% avec le 6, le 15, le 9, le 2, le 3, le 7 et le 4 pour la somme de 10,50 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.